Bonjour, Monsieur Warner, ici Tom. Vous êtes demandé en salle de conférence au quatrième étage. Hein? Carpe diem. Cueillir le jour. Ouais, eh bien, prends ça, Warner. Eh bien, que diable faites-vous donc dans mon bureau, Curtis? Alors que je ne m'y trouve pas, répondez. J'étais juste... Et si nous cessions de tourner autour du pot? Vous avez fouillé dans tous les endroits, vous n'aviez rien à y chercher. Ne faites pas la même erreur que votre père autrefois, mon garçon. Je regretterai de devoir vous perdre. Je suis désolé, Monsieur Warner. Joseph Mengele, il se délectait de la mort. Non!
quoi je pense. Ce n'est pas l'heure de me rendre. Threshold. Ça, c'est bizarre. Ça a été soudé et riveté. Ça ne va pas marcher. Thank you.
Curtis. Bonjour. Je suis le docteur Harburg. Enchanté, docteur. Ravi de vous rencontrer. Entrez, asseyez-vous. Installez-vous confortablement. Alors, pourquoi vouliez-vous me voir? Eh bien, je... J'ai quelques problèmes à faire le point ces derniers temps. Je ne cesse d'être effrayé par... des choses... Je ne sais pas par où commencer. Ce n'est pas grave, prenez votre temps avec moi. Parlez de tout ce qui peut vous passer par la tête. Ce sont mes parents. Ils ont l'air heureux. Je crois qu'ils l'étaient à l'époque. Mais je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas juste, vous savez. Je ne me souviens plus des plaisirs de mon enfance. Je ne me rappelle plus si ma mère me prenait dans ses bras ou m'embrassait. Mais elle me frappait. Je me souviens du jour où elle s'est tuée. Deux ans plus tard, mon père a été renversé par un alcoolique dans une vieille Plymouth. Oh, mon Dieu, Curtis. C'est un énorme fardeau à porter pour n'importe qui. Docteur... Ah, bon sang, c'est difficile. Peu de temps avant que ma mère ne se suicide, elle a commencé à m'habiller comme une petite fille. Que vous compreniez que c'était elle qui avait un problème. Vous n'étiez qu'un enfant innocent. Elle a été prise à la réception de Noël de la compagnie. Ah. Je m'étais beaucoup amusé ce soir-là. On le dira en tout cas, Curtis. Qui sont ces autres gens? Oh, c'est Trevor. C'est mon meilleur ami. Ça, c'est Jocelyn. C'est ma... ma petite amie. Vous savez, c'est drôle, j'ai peur de perdre mon travail, alors notre relation est restée secrète au bureau. Êtes-vous amoureux de Jocelyn? Oui, je le crois. Mais... Je suis aussi attiré par Trevor. Et ça m'inquiète parce que je n'ai jamais eu... Je veux dire, je ne veux pas... Je ne sais pas si je dois rester avec Jocelyn. Je ne voudrais pas lui faire de mal, vous savez. Est-ce que vous en avez parlé avec Jocelyn? Oh, grand Dieu, non. J'ai déjà assez de problèmes comme ça pour lui parler. Vous savez, c'est drôle, même quand nous faisons l'amour, je ne me sens pas totalement proche d'elle. Je ne crois pas m'être senti un jour vraiment proche de quelqu'un.
J'ai rendez-vous ce soir avec cette fille avec qui je travaille. Elle s'appelle Thérèse. Elle est vraiment sexy et... Je ne sais pas, je me sens coupable à cause de ma petite amie Jocelyne. Oui, vous avez le sentiment de trahir Jocelyne? Oui. En fait, je veux dire non, je veux dire... Bon, ok, nous sommes mis d'accord dès le début que notre relation n'était pas exclusive, donc... Je n'ai aucune raison d'être coupable, n'est-ce pas? En effet, je crois que c'est à vous de le décider par vous-même, dans votre tête et dans votre propre cœur. Mais laissez-moi vous dire, cependant, Curtis, que la culpabilité est un sentiment particulièrement éprouvant. C'est assez embarrassant, mais ce genre d'imagerie m'a toujours fasciné. Il n'y a pas à en avoir honte, Curtis. Avez-vous réfléchi aux raisons de votre attirance pour l'imagerie bondage? Oui. Mais il y a encore plus étrange. J'ai l'impression que la personne sur la photo est comme maintenue, solidifiée. Comme si... Les liens la maintenaient, elle l'empêchait de tomber en morceaux. C'est fascinant. Bob, ce type avec qui je travaillais, il a été assassiné aujourd'hui. Il n'a pas été tué avec une balle dans la tête, il a été... littéralement dépecé dans mon bureau. Mon Dieu, Curtis, qu'avez-vous ressenti à la suite de cet événement? Eh bien, docteur... Je n'ai rien ressenti. Mais alors, vraiment rien. Docteur Harbert, je crois que la compagnie pour laquelle je travaille elle mène une sorte de terrible expérience totalement illégale. Je jette un coup d'œil à ceci. Mon père était impliqué. Je dois découvrir ce qu'est exactement le projet Threshold. Eh bien, ce n'est pas impossible, Curtis. Il y a de très nombreux projets totalement illégaux depuis des années. Donc vous pensez que le fait que ma mère m'habille comme une poupée a quelque chose à voir avec mon attirance pour Trevor? Non. Non, Curtis, pas du tout. L'orientation sexuelle est génétique. Cependant, la confusion que votre mère a induite en vous peut avoir contribué à votre dissociation de la société.
J'ai failli ne pas vous appeler. Le docteur Marek m'a conseillé de vous voir. C'est mon médecin à l'hôpital. Oui, je sais, Curtis. Souhaiteriez-vous me parler de votre hospitalisation ou du docteur Marek? Je ne veux rien vous demander de précis à propos de votre hospitalisation, mais pourriez-vous me dire s'il y a eu un événement qui aurait pu entraîner votre internement? C'est justement le problème, docteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que, à un moment, je savais qui j'étais, et juste après, je ne me rappelais plus de rien. C'est difficile à expliquer, mais mon identité, c'est juste... juste désagrégé, comme... comme de la dentelle pourrie. Ne vous offensez pas, mais je ne suis pas très à mon aise ici. Tracy me donne l'impression d'être complètement cinglé. Vous n'êtes pas cinglé, Curtis. De nos jours, beaucoup de gens parfaitement normaux viennent faire une psychanalyse. Votre cerveau est simplement une partie de votre corps, et s'il souffre de petits problèmes, eh bien, non seulement c'est normal de chercher de l'aide, mais c'est aussi intelligent. Ma mère avait une boule de neige comme celle-ci. Je croyais à l'époque qu'elle ressemblait à son esprit. Réduit en miettes. Toutes ces particules flottant à l'intérieur de son cerveau. Elle a commencé à me détester quand j'ai eu 6 ans. Écarte-toi de mon chemin! Ah! Monstre! Curtis, c'était son problème. Pas le vôtre. Vous n'étiez qu'un petit garçon.
Eh bien, Curtis, notre séance s'achève, mais je crois que nous avons beaucoup de travail. Que diriez-vous de revenir me voir dès demain? Eh bien, d'accord. Très bien. On se voit donc demain. Parfait. Merci, docteur Bart. Il n'y a pas de quoi. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Mais je t'assure que je connais quelqu'un à l'intérieur, je me rappelle plus son nom. Casse-toi d'ici. Ah, on m'a donné son nom, mais je m'en souviens pas. Je t'en prie, mais laisse-moi rentrer, je te plaît. J'ai dit casse-toi d'ici. Ah. On bouge plus. C'est un club privé. Il faut connaître quelqu'un pour rentrer. Je connais Thérèse Banning, elle m'a demandé de la rejoindre. Tu connais peut-être son nom, mais ça veut pas dire qu'elle t'a invité. Écoutez, Thérèse m'a envoyé cette carte. Ouais, c'est ça, elle est même pas signée. Thérèse m'a donné cette carte. Ouais, c'est bon, tu peux entrer. Surtout, te fais pas bobo. Et surtout, tu penses lui donner le cocktail quand je te parle des questions. Salut Thérèse. Salut Corti. Je suis ravie de te voir. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est comme club ici? Un club sadomaso privé, Curtis. Tu veux un verre? Pour avaler l'horrible vérité? Non, merci. Je trouve ça plutôt intriguant. C'est encore mieux que ça, mon cher. Écoute, je dois te dire quelque chose. Jocelyne et moi avons une relation très sérieuse, et je... Tu sais quoi? Je m'en fous complètement. Si tu crois que t'es le seul amant dans ma vie. Tu sais, tu devrais l'amener ici la prochaine fois. Elle est très mignonne. Hé, hey, barre-toi de là. Tu n'as pas une tête à aller dans l'arrière-salle. Excusez-moi, pourriez-vous me dire si...
Tu as envie de jouer? Moi, je pourrais te faire hurler de plaisir. Non, merci. Les amateurs. Thérèse, je ne veux pas porter de jugement ou quoi que ce soit, mais... Hé, je peux avoir un verre, porte-latex? Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de sentir la douleur pour s'amuser. As-tu déjà été fouetté, Curtis? As-tu déjà été... brûlé à la cire de bougie, ou encore battu avec des liens en soie noire? Non. C'est... la souffrance sensuelle n'est pas comme s'écraser le doigt avec un marteau. C'est intensément érotique. Tout ça va pas me tuer. Enfin, j'espère. Ah. C'est pas si mauvais que ça, n'est-ce pas? Bonsoir. Je suis d'humeur à percer un nombril ce soir. Qui en a envie? Par ici, j'en ai envie. Curtis, je vais m'amuser follement à regarder ça.
Oh mon... Oh mon Dieu. Oh... Allô? Curtis, mon garçon, pourquoi n'êtes-vous pas au bureau? Monsieur Warner? Eh bien, je croyais qu'après Bob, nous devions rester... Eh bien, vous vous trompiez, Curtis. Remuez-vous et venez donc travailler. Espèce de fumier. J'ai fait un terrible cauchemar la nuit dernière, Blob. Est-ce que les rats font des cauchemars? Bridget Books est fière d'accueillir l'auteur de best-seller Adrian Delaney. Miss Delaney signera des exemplaires de son dernier livre, Se remettre de la mort. Elle est belle.
Je me moque de votre productivité, monsieur Warner. Vous n'aviez pas le droit de détruire des indices, c'est tout. J'ai tous les droits en ce qui concerne l'organisation de ce service. Je dois rendre des comptes à l'inspection du travail. Cette enquête aurait été terminée en quelques jours. Quoi qu'il en soit, le fait que vous ayez redécoré va vous coûter une amende pour obstruction à la justice. Cela vous dérangerait de continuer cette discussion dans mon bureau, inspecteur Powell? Non, pas du tout. Salut, baby, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Curtis. Je suis encore secouée pour Bob. Je sais, Joss. Moi aussi. J'aimerais tellement te réconforter.